Et ça fait joyeux anniversaire, Mkolo! Eh oui, c'est le 9 avril, les amis, aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors j'attends de vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Non, alors au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 8 avril, nous sommes la veille. Je vais vous expliquer pourquoi je prends de l'avance cette fois-ci, vous allez très vite comprendre. Salut à tous et à tous, il est 16h, j'espère que vous êtes tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve avec ce beau nouveau Renault Trucks, évidemment, on va en parler, mais de ce pas, on va aller chercher notre cargaison. Nous sommes aujourd'hui, les amis, à Bayonne. J'ai fait un déplacement rapide dans mon garage à Bayonne parce que j'en avais marre d'être à La Rochelle à chaque fois. Nous sommes à Bayonne, on va se chercher une cargaison et vous allez voir, on va partir à Munich. Donc on va vraiment traverser toute la France, ça va être incroyable. Donc nous voici les amis, dans ce magnifique camion Renault Trucks, Renault T, hein, si je dis pas de bêtises, je suis pas le meilleur, je ne comprends pas tout. On va en parler les amis, on va en parler, on va se chercher directement, hop, la petite musique, notre cargaison, je ne vois rien, on y va, on est parti, j'ai une fenêtre ouverte, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est nickel, et on est parti chercher tout ça. Alors les amis, déjà premièrement, attendez, il faut que je ressorte ma caméra, j'espère que vous allez tous très bien, voilà, j'espère que vous kiffez votre journée, non, voilà. Mardi ou mercredi, je ne sais plus. Non, c'était mardi, il était censé y avoir une vidéo Euro Truck et vous le savez, je n'ai pas pu vous la faire. Alors en réalité, je l'avais tournée. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu un grand écran noir et donc je n'ai pas pu vous proposer la vidéo, malencontreusement. La vidéo n'est jamais sortie. Voilà, tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, ce que j'ai fait pour me rattraper, j'ai fait un live le soir même, étant donné que ce nouveau Renault était sorti la journée même en plus, donc ça tombait bien. Ça tombait bien. Et donc je vous ai fait un petit live. On a acheté donc ce camion. On l'a aussi un petit peu customisé et on l'a découvert. Alors déjà, avant toute chose, au niveau des impressions, moi comme d'habitude, je ne m'y connais pas en camion. Je ne les connais pas dans la vraie vie. Je ne suis pas du tout un connaisseur, les gars, vous le savez très bien. On peut aussi parler de la qualité graphique, les amis. Attendez, on va en parler aussi juste après, mais je vous laisse déjà savourer un petit peu si ça fonctionne, ce serait génial. Non, du coup, vos impressions à vous, en tout cas, nombreux ont été comme moi. C'est-à-dire que ça n'a rien changé. Il y en a beaucoup qui l'ont acheté, qui ont fait une livraison avec et qui l'ont revendu parce qu'en fait, bah, c'est pas ouf pour certaines personnes. Alors, au-delà du fait que j'avoue, la marque Renault Trucks, du coup, qui est affiliée à l'événement, Renault Trucks a dévoilé du coup leur gamme de camions comme ça et c'est du génie. C'est juste du génie et voilà, c'est super stylé. Le camion est très beau, on a regardé l'extérieur. Moi, je trouve ça beau, les clignotants à l'arrière, c'est incroyable. Pareil à l'avant, l'animation, comme vous pouvez voir. C'est vraiment super sympa. C'est vraiment très très joli. J'ai des lumières ou pas? Oui, j'ai des lumières. Mais en fait, quand tu roules comme ça là, t'as l'impression, et c'est ce que j'ai dit, d'être dans un Renault. Enfin, t'as pas l'impression que t'es dans un nouveau camion, tu vois. C'est normal, hein, ça reste un Renault. Quand tu baisses, par contre, tu vois les petites finitions qui sont différentes. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais en vrai, c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi. Après, je suis con, hein. Je suis complètement con, mais je m'attendais vraiment à un truc différent en fait. En fait, c'est juste un nouveau camion qui est ajouté dans le jeu. C'est vrai. Donc ça sert à rien d'être déçu. En tout cas, bah, je suis pas non plus déçu, hein, je vous rassure. J'aime bien, je suis content. Mais voilà, j'en ferai pas tout un fromage. Je vais pas le revendre. Hein, on va évidemment rouler avec parce qu'il est plutôt sympa. On va pouvoir aussi encore éventuellement le recustomiser derrière. Là pour le moment, c'est pas non plus le but du jeu. Mais du coup, voilà, pour vos avis et mon avis en général, bon bah voilà, c'est un nouveau camion, c'est sympa. Dans la vraie vie, ça doit claquer par contre. Hein, ça doit être quand même différent. On fera de nouveau un petit point sur l'extérieur après si vous voulez parce que je sais que vous êtes très fan et moi j'aime beaucoup, c'est le physique qui m'attire sur les camions parce que je m'y connais pas encore. Je m'y connais pas du tout, me parlez pas de puissance, je peux rien vous dire. Mais en tout cas voilà, au niveau visuel il est très très sympa. Donc on pourra un petit peu regarder ça de nouveau quand on sera arrivé et on va bientôt être arrivé pour chercher donc notre petite, notre grande cargaison, vous allez très vite comprendre. Alors les amis, pourquoi la vidéo mardi n'a pas fonctionné? Pourquoi j'ai eu un écran noir? En fait j'ai fait une expérience. Vous savez que j'enregistre toujours et là actuellement j'enregistre avec OBS. OBS, Open Broadcast Software. OBS qui fonctionne très bien, la preuve vous voyez cette vidéo et j'en suis persuadé. Normalement il n'y aura pas de problème. Bon, bah, ce logiciel est fantastique et il permet de faire des lives. Voilà. Moi à l'époque j'utilisais toujours Action Mirilis. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai voulu réessayer Action. Et ça fonctionne Action. Action fonctionne très bien. Parce que j'avais acheté Action à l'époque, tu vois. Donc j'ai vraiment une vraie licence quoi. Sauf que moi je sais qu'avec Action, le jeu reste fluide de ouf et la qualité est incroyable. Avec OBS, t'as toujours des pertes
de qualité. T'as toujours un peu des pixels. Et je pense que vous le remarquez sur mes vidéos, il y a quelques pixels des fois de temps en temps. Et c'est dommage parce que vous voyez pas vraiment comme moi je vois le jeu. Moi je vois le jeu de manière magnifique et vous, vous avez quelques petits pixels. Et c'est casse-bonbon. Alors, du coup, j'ai essayé Action. Et malencontreusement, j'ai mal fait un réglage. Et j'ai tourné pendant 45 minutes dans le vide. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Et en plus, c'est con parce que je disais plein de choses très intéressantes. Mais vraiment, hein, je disais des trucs super intéressants. Et vous attendez, vous les cocos, hein. Donc un peu dégoûté, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, là j'ai repris OBS. Et n'hésitez pas à me dire, franchement, je pense qu'on est pas mal. La qualité, c'est obligé, dites-le moi, hein, mais vraiment la qualité est censée être meilleure. Parce que j'ai refait des réglages. Dites-moi que la qualité est meilleure. Et c'est pas ça, c'est qu'il y ait moins de pixels. Normalement, il y a moins de pixels. Alors, peut-être qu'il y en a toujours. C'est peut-être pas toujours parfait. Mais normalement, ça devrait être encore mieux. En fait, j'ai encore augmenté en fait le débit vidéo. Alors pour les connaisseurs, hein, voilà, les CBR. Et du coup, il est censé y avoir moins de pixels. Sauf que en général, ça fait plus bugger la vidéo. Vous savez, à l'époque, il y avait des bugs sur mes vidéos. Il y avait quelques freezes à chaque fois. Ça, c'est à cause de ça. Mais là, en théorie, je devrais en avoir moins. Il devrait pas y avoir trop de freezes parce que du coup, sur le jeu, il y a moins de modes. Et oui, tout ce qui est mode graphique, j'ai pu. Ça sert à rien. Le jeu est déjà tellement beau. Donc voilà, mon jeu est quand même beaucoup plus léger. Donc en vrai. La vidéo, j'espère, en tout cas j'espère, on verra le rendu et vous allez me dire en commentaire et je compte sur vous. Sortez maintenant. Le jeu est censé être pour le moment fluide et surtout graphiquement ça devrait être très très bien. Peut-être qu'on peut faire toujours mieux, je pense très sincèrement, mais on devrait pas être trop mal et j'ai vraiment hâte de voir le rendu. J'ai vraiment hâte de voir le rendu. Donc voilà les amis, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vous ai parlé d'Action, je vous ai parlé donc du live. Là on est sur une zone de travaux, on va se calmer direct, hein. Je roule un petit peu vite mais comme il travaille pas c'est bon. Ah si il travaille, j'ai rien dit, excusez-moi, vous travaillez, j'ai rien dit. Hop, il y a personne donc on s'en fiche un petit peu. On va regarder l'extérieur du camion, vous inquiétez pas, hein. Hop, on va tourner à gauche. Bon, on a une grande route qui nous attend les amis. J'ai pas énormément de sujets de discussion en plus pour aujourd'hui donc ça risque d'être très chill. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'était une belle balade, ouais, je te remercie. Hop. Sauf que la balade ne fait que de commencer. Donc voilà, nous allons transporter 11 tonnes de tracteurs les amis. Là, ici, à Munich, on va faire tout ça. On va même traverser donc la France, mais la Suisse aussi. Et on va arriver donc en Allemagne. On va prendre la mission. Soyez prudent. On va faire la manœuvre et on va regarder le camion. Alors attendez, elle est où la remorque? Elle est là-bas. Allez, on y va. Donc pour vous montrer un petit peu. Attendez, parce que j'imagine que la remorque va être là. Quoi? Ah oui, c'est ça. On va y aller comme ça, ce sera plus pratique. Hop. Donc pour vous montrer un petit peu le camion dans sa globalité en extérieur. Alors, j'ai pas fait trop de custom, hein, j'ai juste ajouté des trompes, hein, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Donc voilà, feu de croisement allumé, si on fait les appels de phare, hop. Voilà, c'est sympathique. Les clignotants du coup que j'adore, avec l'animation. Voilà, clignotant gauche. Si tu mets les warnings, il n'y a pas l'animation. Et sur l'arrière, ce que j'aime bien, c'est les. Bah, ça fait des flèches en fait, tu vois. C'est con, hein, mais je trouve ça vraiment super stylé. Voilà, pour les petits détails. Sinon, après, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus. Ça fait une moustache à l'avant, vous avez été nombreux à le dire. Et je trouve que le logo Renault ressort plus, mais ça, c'est à cause des nouveaux graphismes. Hein. C'est les lumières qui reflètent super bien. Donc, c'est vraiment incroyable. Et vous voyez le beau gosse à l'intérieur? Eh bah, c'est moi. Allez, on est parti. On va chercher notre remorque. Ça fait du bien de reprendre le traquier. Hein. Du coup, j'avais pas le traquier dans le live de mardi soir. Parce qu'il y avait tout qui était buggé un petit peu. Voilà, je suis peut-être un peu trop. Voilà. C'est jamais de la vie, tu verras un gars faire des zigzags. Eh bah si, moi, je fais des zigzags. Voilà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. J'ai d'excellentes nouvelles, les gars. J'ai hâte de vous en parler. J'en ai parlé durant le live, mais. Par rapport à. Non. Il est temps. Par rapport à la formation que j'aimerais faire du coup pour avoir le permis C, les gars, j'ai une excellente nouvelle. Mais je vais pas trop parler pour le moment et je vous tiendrai très vite au courant. Donc voilà les tracteurs à l'arrière. Est-ce que notre camion sera assez puissant? Oh, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Hein. On est parti, on va enfin pouvoir bien découvrir ce camion, est-ce que ça le fait ou pas. Donc j'ai rien retouché en termes de puissance hein, par contre, hein. Sachez-le, j'ai rien retouché à ce niveau-là. Tournez à droite. Hop, nickel. Nickel, nickel. Alors, je vais vous dire, hein, on va marquer le stop. Bon, on marque le stop un peu loin, c'est pas grave. On n'a pas que ça, hein. Eh, oh,
Je vais vous dire, j'ai encore le papier devant moi. Hop, regardez. Ah, j'ai une feuille de papier devant moi. Et en fait, c'était tout ce que je disais dans la vidéo de mardi qui n'est jamais sortie. Alors, globalement, est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais vous redire? Alors, nouveau Renault Trucks. Oui, bah ça, maintenant, on est bien conscient. Alors, attends, parce que là, on va faire doucement parce qu'il y a les voitures qui vont arriver en face. Voilà. Il y avait quoi? Nouvelle qualité. Ah oui, parce que je m'étais noté. Alors, comme ça, on va rigoler. Je m'étais noté sur le papier nouvelle qualité parce que du coup, je faisais avec avec action. Et la qualité était censée être incroyable. Résultat, ça a fait un écran noir et donc la vidéo n'est jamais sortie. Je pense que maintenant, vous l'avez bien compris. Bon, ça marche pour aujourd'hui parce que du coup, normalement, comme dit, la qualité est censée être meilleure. Ensuite, chaud. Ah oui, chaud pour manœuvre avec Seb et Félix, c'est vrai. Parce que du coup, donc, dans la dernière vidéo Euro Truck. Ou il y a deux épisodes de cela, je sais plus. Je crois que c'est il y a deux épisodes de cela. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire, je vous l'ai déjà dit. Non bref, il y a deux épisodes de cela, je vous avais demandé si ça vous intéresserait une vidéo tuto manœuvre avec des vrais routiers. Et donc du coup, vous étiez chaud et les principaux concernés sont chauds également. Donc Féli le routier et Seb, qui était donc à l'épisode 50 de Euro Truck avec qui on a discuté. Et je vous invite à regarder cette vidéo vraiment si vous ne l'avez pas regardée, si le monde de la route vous intéresse. Et même si elle ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à regarder, vous allez peut-être apprendre beaucoup de choses. Je dis ça, mais bon, si vous regardez cette vidéo en général, c'est que vous êtes intéressé par ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, c'était super cool. Et donc, on fera ça, les amis, éventuellement. Donc, des petits tutos manœuvres pour voir un peu leurs astuces, s'ils ont des repères différents. Parce que du coup, ce que je disais dans la vidéo qui n'est jamais sortie, c'est que autant, alors Seb, c'est pas un routier ancienne génération, il est pas vieux Seb, hein. Si jamais, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais Félix, ça fait un an qu'il fait de la route, seulement entre guillemets, tu vois, un an. Et alors que Seb, lui, ça fait une dizaine d'années, je sais plus combien, je me rappelle plus. Prenez la première sortie. Donc c'est pas vieux du tout, hein. Clairement c'est pas vieux. Mais du coup, ils ont peut-être des mémotechniques ou des techniques, je sais pas, différentes, ce qui est complètement possible. Ils ont peut-être eu une façon différente d'apprendre les choses. Alors voilà, à voir. Et ça peut être très sympa donc de faire des tutos manœuvres avec des remorques avec eux. Parce que finalement, même pour les vrais routiers, en commentaire là, vous pourrez voir si ils font pareil que vous. Enfin, en tout cas, s'ils ont les mêmes techniques, parce qu'à la fin, ça revient à vous-même. Hein. Il faut quand même bien se garer. Je veux dire, tout le monde est censé se garer correctement. Mais voilà, ça peut être assez intéressant. Donc on fera ça. Le but du jeu, on va pas faire ça pour un épisode spécial. Hein. On va pas faire ça pour l'épisode 100. On va pas faire ça pour un épisode genre 75 ou quoi. Vraiment, ce sera à ma guise quand on sera dispo, quand on aura envie. Ça pourra très bien tomber. Voilà, un épisode impair. On s'en fiche pas mal, à vrai dire. On s'en fiche pas mal. Ce sera vraiment comme on le voudra. J'avais noté quoi encore sur le papier? Attendez. Eh, je roule bien, hein. Bon, on vient à peine de commencer, remarque. Concours demain. Ah bah oui, concours demain. Bah, le concours, il est déjà lancé, du coup. Forcément, oui. Parce que du coup, mercredi, j'ai lancé donc le concours Eneba dont je vous parlais. Et je suis trop content. Voilà, 50 euros à gagner. Si vous n'êtes pas encore au courant, les gars, regardez ma vidéo giveaway. Giveaway 50 euros à gagner sur Eneba. Vraiment, je remercie encore Eneba pour ça. Parce que, comme dit, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous gagnez les 50 euros sur Eneba? Vous pouvez acheter ce que vous voulez au prix de 50 euros sur Eneba. Voilà, enfin en dessous de 50 euros. Vous n'êtes pas obligé de tout claquer d'un coup. Donc, c'est ça ce qui est génial. Le DLC Iberia, quand il sera disponible sur Eneba, bah, vous pourrez le prendre parce qu'il sera à moins de 50 euros dans tous les cas. Vous voulez vous acheter Euro Truck, vous pouvez. Vous voulez vous acheter un DLC, vous pouvez. Vous voulez vous acheter Minecraft, vous pouvez. Vous pouvez acheter plusieurs choses, bref. Après, c'est à vous de pas tout claquer. Et puis, de toute façon, rien ne vous empêche de mettre votre argent en plus si vous avez besoin, par exemple. Tu vois. Donc, bon, ça, c'est ça ce qui est cool. En tout cas, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié, je le rappelle. Même si vous passez. Voilà, si vous avez gagné les 50 euros, tu me laisses m'engager à gauche? Ou t'es un bouffon? T'es un bouffon. Tant pis pour toi, gros, hein, après. Bref, même si, voilà, si vous gagnez les 50 euros, n'hésitez pas à passer par mon lien affilié, parce que ça me rapporte aussi ma petite commission quand même, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, tirage au sort le je sais plus quand, à la fin du mois, à 20h, je sais plus c'est quel jour, mais c'est précisé, hein, dans la vidéo. Donc voilà, ça fait le plaisir. Et très important pour participer, il faut commenter donc la vidéo en question, la vidéo giveaway, mais il faut absolument mettre un moyen de contact dans le même commentaire. De 1, ça sert à rien de mettre plusieurs commentaires, ça marchera pas, les doublons sont exclus dans le tirage au sort. Et de 2, ne mettez pas je participe et ne rajoutez pas un autre commentaire pour donner vos moyens de contact, ça marchera pas. Il faut vraiment que vous mettiez que vous participez et que vous mettez votre moyen de contact. Parce que si je tire au sort, si c'est votre commentaire qui est tiré au sort et que c'est écrit je participe mais qu'il n'y a pas de moyen de contact, je refais un tirage au sort.
Et ça fout le seum parce que du coup, c'était vous qui était censé gagner, mais comme vous n'avez pas mis le moyen de contact dans le commentaire, ça fonctionne pas. Ça ne marche pas, je passe au suivant. Et je vais pas chercher si la personne tirée au sort a mis son moyen de contact dans un autre commentaire. Ça marche pas comme ça. Donc voilà les gars. Donc ça peut être, j'allais dire Skype, ça peut être oui, ça peut être Discord, ça peut être Instagram, Twitter, un mail, peu importe, un moyen que je puisse vous contacter si je vous ai tiré au sort. Voilà, voilà. Aussi la règle aussi, parce qu'il y a des acolytes qui ont commenté la vidéo, je me permets quand même de les exclure. C'est-à-dire si je tire au sort, je suis désolé à elle, mais hein, si je tire au sort BXNO, je referai un tirage au sort par exemple. Voilà, parce que c'est pas juste, je vais pas faire gagner BXNO, vous vous rendez compte. Là par contre, faut pas déconner quoi. Vidéo moto, oui je m'étais noté vidéo moto sur le papier et puis c'est tout, il n'y a plus rien de noté après. Mais c'est 90 hein. Avec ta petite voiture là. bah voilà, vous savez donc que j'ai une chaîne YouTube secondaire. Enfin, j'aime pas dire secondaire parce que quand je dis chaîne YouTube secondaire, ça fait genre que c'est en rapport avec Mkolo et que c'est secondaire. Alors que c'est une chaîne principale finalement, mais c'est pas en rapport avec Mkolo. Donc ma chaîne YouTube de moto qui s'appelle Noririam The Teen Rider. Et bah les gars, n'hésitez pas à y aller parce que j'ai sorti deux nouvelles vidéos. Bah, la dernière est meilleure. Donc une nouvelle vidéo moto avec Mago, avec ma copine. C'était la balade pré-confinement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Voilà, c'était trop bien, c'était très joli. Et de belles routes, évidemment. Donc voilà, si vous voulez me voir d'une manière différente, n'hésitez pas. Je vous mettrai en description. Je vous mettrai en description la vidéo, sans grand problème. Voilà, voilà. Je mettrai plein de détails en description. Je vais aussi mettre le... Parce que vous êtes à chaque fois nombreux. Enfin, je dis vous, mais on se comprend. À me demander c'est quoi la casquette que j'utilise. Et je dis toujours que c'est le Track IR. Alors je suis pas affilié, je suis pas en partenariat avec eux, mais du coup je vais mettre en description le site de Track IR. Comme ça, la question ne sera plus posée 32 000 fois. Et on va prendre le... C'est pas grave, on va pas prendre le télépéage parce que trop de voitures. Voilà, je mettrai en description et puis comme ça, même s'il y en a qui posent la question, vous pourrez répondre. Le lien est dans la description et puis voilà. Comme ça, tout le monde, ça sera plus pratique pour tout le monde. Hop. Vous savez ce qui serait bien? Un truc tout con, un petit détail. C'est que on puisse choisir dans les paramètres que les barrières s'ouvrent tout le temps. Ou alors avoir réellement un télépass, tu vois. Parce que en fait, c'est relou. Eh oh. Ah c'est bon, j'ai rien dit. Parce qu'en fait, globalement, en admettant que j'ai le télépéage là, je peux très bien passer à la section où il faut mettre le ticket. Mais ça s'ouvre quand même, c'est juste que du coup il y a aussi les gens qui mettent le ticket. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'exprime très mal. Mais du coup en fait c'est relou parce que tu vois j'ai pas pu me décaler à gauche à cause des voitures. Mais on peut supposer que j'ai le télépéage puisque je suis passé tout à l'heure avec le télépass là. Donc ce serait bien que ça s'ouvre aussi automatiquement quoi. Et évidemment comme il y en a qui aiment pas ça, bah qu'on puisse choisir. Ou alors qu'on puisse acheter pour de vrai un télépéage et que ça détecte toujours. Ça se trouve il y a un mode en fait, je dis ça, mais ça se trouve il y a un mode qui existe pour faire ça. Oh là, 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 oh là. Alors attends, on va gruger tout le monde. Parce qu'il faut pas déconner. Voilà. Oh là. Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ah oui, ça bouchonne genre là-bas quoi. D'accord, bah c'est bon. J'ai bien fait de me mettre à gauche, je crois. Je crois que j'ai bien fait de me mettre là. Hein. Hop, on va pas faire peur aux motards devant. Quel plaisir en tout cas. Il est quand même vachement bien ce jeu, les gars. C'est quand même. Vous savez que je me suis remis. Alors, je me suis pas remis en question, mais je me suis posé des questions. J'étais vraiment en mode. Je vais vous dire, hein, je vais un peu vous dévoiler un peu ma life. Putain, c'est tellement dangereux ce qui se passe. Il va y avoir un accident. Il va y avoir un accident comme ça. Et on aurait pu s'engager 32 fois. Hein. C'est vraiment du top délire. Hein. Bon. Il y a personne, les gars. Vous vous rendez compte? Je peux. On peut y aller. C'est débile. Est-ce que je viens de faire? Je n'ai mis en danger personne. Oh, toi, t'attends. Eh, gros, si t'avais le temps d'attendre. Oh, la voiture! Je sors mon bras. Je sors mon bras, pardon. Ah, ouais, c'est chaud. Ah, ouais, non, mais à un moment donné, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Bref, oui, je me suis pas remis en question, mais je me suis posé des questions en mode. Est-ce que ça me plaît vraiment de faire des vidéos Euro Truck? Pourquoi ça m'anime? Pourquoi, etc. Et quand je joue pas. Je me pose cette question en train de dire parce que mine de rien
voilà, je tiens le volant dans ma main, je roule et puis voilà, c'est tout, c'est tout le temps la même chose. Et en fait, j'en suis persuadé que c'est que je kiffe parce que à chaque fois que je le reprends en main, le volant, et que je lance le jeu, bah, je suis lancé, je suis parti. Alors que par exemple Flight Simulator, mais c'est vrai, c'est pour ça que je me suis remis en question. Flight Simulator, qui est très beau, qui est très bien fait, qui représente le vrai monde à ce propos, alors que Euro Truck justement c'est pas vraiment le vrai monde quoi finalement, c'est un peu simplifié. Flight Simulator c'est quoi? À part le décollage et l'atterrissage, si t'es pas pilote dans la vraie vie ou si tu t'en fous des avions, bah c'est lassant parce que c'est tout le temps la même chose. Les seules manœuvres entre guillemets que tu vas faire, c'est les checklists, l'atterrissage, le décollage. Une fois que t'es dans le ciel, t'as rien à faire. Et je me disais, Euro Truck c'est pareil, parce qu'à part les manœuvres, tu roules, tu fais tout le temps la même chose. Et ben en fait non, tu roules, mais c'est trop bien. Et c'est comme ça que je me suis remis en question de manière positive. Je me posais la question de, est-ce que je voulais vraiment devenir entre guillemets routier? Est-ce que vraiment je voulais essayer de conduire des camions dans la vraie vie? Parce que à la base ça part de rien. J'ai toujours voulu faire un métier en rapport avec la route. J'ai voulu être moniteur auto-école, gendarme, machin et tout. Mais vraiment routier, c'est pas mon univers. Et c'est un peu fantasmé parce que je sors de nulle part, je fais des vidéos. Et c'est juste parce que j'ai joué à Euro Truck que j'ai eu cette envie. Enfin, je sais pas, vous m'avez donné envie, mais c'est juste vendre du rêve. Genre, c'est pas comme ça dans la vraie vie, c'est nanana. Et j'étais là en mode, mais en vrai, je vais même peut-être pas kiffer et je vais regretter. Et je me suis remis en question positivement, mais ça a pas pris longtemps. Hein. Ça a pas pris longtemps. J'étais là en train de dire, bah ouais, mais non, en fait, j'étais à bord de ma voiture dans la vraie vie, j'étais en mode, bah ouais, mais non, mais. En fait, je veux rouler quoi, je veux être en haut là et je veux rouler. Je veux faire ça. Alors malgré tous les trucs, les contraintes chiantes et tout, mais je veux faire ça. Et comme dit, hein, vous êtes très nombreux à le dire, et puis de toute façon, il faut le tenter. En plus, je suis jeune, comme vous dites. Hein. Et quand on est jeune, il faut tenter des trucs, des expériences. Et voilà, tu le fais. Et si ça te plaît pas, tu arrêtes. Mais t'as un permis en plus, t'as de l'expérience en plus. Et c'est toujours des plus. Ce sera jamais du moins quoi. J'ai pas de temps à perdre en fait en faisant ça. Donc en fait. Bah je suis trop hypé, je suis de plus en plus hypé par le délire quoi. Voilà voilà. C'est dingue hein, vous imaginez. Vous imaginez dans un vrai camion quoi. Je vous tiendrai au courant les gars et. Alors faudra pas compter sur moi à ce que je fasse des vlogs quand je serai en auto-école, ça m'étonnerait, hein. Je sais pas, ça m'étonnerait. Parce que je serai quand même beaucoup moins présent. Mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, il y aura des photos, des vidéos. Voilà, comptez sur moi, je vais pas disparaître comme ça. À un moment donné, je vais être de moins en moins présent sur YouTube, je vais pouvoir faire moins de vidéos et potentiellement je pourrais peut-être plus faire de vidéos très bientôt. Enfin, je dis très bientôt, mais il y a encore le temps, mais on se comprend. Dans tous les cas, dès que je pourrais faire des lives, j'essaierai de refaire des lives évidemment, mais surtout, je vais jamais perdre le contact avec vous en fait. Hein, ça, s'il y a un truc qui est sûr, voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, mais je serai toujours là, hein, dans l'onglet communauté YouTube, sur Instagram, sur Twitter, vraiment surtout sur Instagram, c'est là où je partage énormément de choses à chaque fois donc. En fait, voilà, vous pourrez être sûr que je suis pas mort, c'est sur Instagram. Donc voilà les gars, ça fait plaisir, j'ai méga hâte. J'ai méga hâte de ouf. C'est incroyable. Et oui, je suis toujours pas passé par l'immersion. Enfin je veux dire, j'ai toujours pas fait de journée avec un routier ou quoi. Je suis pas passé par Pôle emploi et j'en ai rien à branler. Pardon, j'en ai rien à foutre, je vais pas le faire. Parce que je veux le faire, je veux le tenter. Je vais faire. En fait, ce que je vais faire une formation de 3 mois si ça fonctionne, du coup. Il faut que j'appelle. Parce que j'ai envoyé un mail, mais maintenant je vais appeler parce qu'il n'y a pas de réponse encore. Donc c'est plus simple. Une formation qui dure, je crois, 3 mois et c'est en alternance, donc ça me permettra déjà de voir. Et en théorie, ça coûte pas très cher. Enfin, je dis en théorie, mais je sais pas. Hein. Attends. Hier, on va peut-être pas pousser mémé dans les orties. Bref, et du coup, voilà. Je sais plus où je voulais en venir. Mais bref, voilà, je sais plus où je voulais en venir. Mais si ça me fait chier, ben c'est pas grave quoi. Je veux dire, j'ai rien à perdre. J'ai pas, justement, j'ai pas cette contrainte de devoir satisfaire quelqu'un. Le fait d'être autonome, de pas avoir de pôle emploi, de pas avoir de trucs comme ça, d'aide de la région ou quoi, j'ai pas besoin d'avoir d'immersion et j'ai aucun compte à rendre à personne. Si ça me pète les couilles, je me barre. C'est tout. Chose que je ne vais pas faire. Mais j'ai aucun compte à rendre à personne et ça, c'est génial. C'est ça ce que je. En fait, j'ai besoin d'être autonome en fait. J'ai besoin. Enfin, d'être autonome. D'être libre, c'est surtout ça quoi. Je fais ce que je veux. Oh, le nid de poule. Enfin, voilà quoi. J'ai trop hâte.
Je pense que vous l'avez compris. Je suis un petit con, hein. Hop. En vrai, il pousse bien. Alors, attends, je peux enlever mes feux. On va remettre les feux de jour. Il pousse bien, le camion, hein. Il pousse bien. Il y en avait qui demandaient... il y en a qui sont encore bloqués sur la... Je suis désolé, ça me fait rire. C'est pas drôle. Parce que ça fait un petit moment que la 1.40 est sortie officiellement. Mais il y en a qui sont encore bloqués. Qui sont encore bloqués sur la bêta 1.40. Et qui me demandent... c'est quand que la 1.40, elle sort officiellement? Et ben, alors c'est con, mais du coup pour enlever la bêta, il faut retourner là où vous êtes allé pour la mettre, c'est tout. Donc vous allez dans, sur Steam, dans l'onglet bêta je crois, et puis vous sélectionnez aucune je crois, un truc comme ça. Et ça devrait fonctionner. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et le Renault, ce nouveau Renault, il est en Vanilla. Il y en avait qui me demandaient comment faire pour l'avoir, il est en Vanilla. T'as pas besoin de mode, t'as pas besoin de promode, t'as besoin de rien pour l'avoir. Mais il y en avait qui l'avaient pas apparemment, alors c'est un peu bizarre. Mais voilà, il est là, vous pouvez vous le prendre sans problème. Je rigole, c'est pas drôle, mais ça me... Vraiment, c'est... Je repense à ce commentaire que j'avais vu et ça m'attriste. Du gars qui avait dit, c'est quand que la 1.40 elle sort? Alors que moi, ça faisait déjà 2-3 vidéos que je faisais en 1.40. Et c'est con. Enfin, en fait, ça me fait penser à... Enfin, j'ai pas de comparatif. Je suis vraiment un connard, mais ça me fait marrer en plus. C'est pas drôle, mais voilà, c'est rigolo parce que bon, c'est que du bonheur, puisqu'il y a pas de problème. Mais j'ai pas de comparatif, mais c'est comme si t'attends quelque chose. C'est comme si... Alors attends, un truc tout con. C'est comme si t'attends qu'un... Tu vois les restaurants. Alors attends, bon courage à tous les restaurateurs qui sont dans la merde. Là je rigole pas de ça, d'accord. Mais c'est comme maintenant toi t'attends qu'un restaurant ouvre. Parce qu'il y a des trucs trop bons là-bas. Et t'as entendu que ça va ouvrir genre dans quelques jours, tu vois. T'attends que le restaurant il ouvre. Mais c'est un restaurant éphémère, d'accord? C'est un restaurant éphémère, c'est-à-dire qu'il est là et il dure une, deux semaines. Parce que c'est un restaurant qui se déplace. Voilà, on va dire ça comme ça, ok? C'est un peu comme une fête foraine, si tu veux. Ok? Bref, donc t'as... Ah ouais, au mois d'avril, il va ouvrir et tout. Il va rester une, deux semaines. Ok, bah j'ai hâte. Et genre, une fois que c'est fini, une fois que qu'il était là et qu'il est plus là, parce que les deux semaines sont passées, il est là en mode c'est quand que le c'est quand que le restaurant il ouvre. Alors que du coup le restaurant il était ouvert. Et c'est pourri ce que je suis en train de dire. Bon bref, je suis en train de partir loin. Mais voilà. En tout cas le train ne passe pas, la 1.40 elle reste. Donc c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Voilà, ça me fait sourire. Bref, allez, ça c'est dit, c'est fait. J'ai passé mon quart d'heure de fou rire. Je dis ce que je veux, c'est mon anniversaire, hein. Enfin en tout cas au moment où la vidéo sortira. Ah oui, donc pourquoi j'ai pris de l'avance? Pourquoi je tourne la vidéo la veille? C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais normalement, il n'y en a pas. Donc voilà. Pff. Avec la petite tasse M-Colo juste ici. Il est beau le volant. Faut tenir la gauche, hein, j'imagine, en direction Paris. Pas du tout. Si. Tenez la gauche. Waouh. Ce serait temps que je... Hop, Paris-Limoges. On a de la route les copains, on a de la route. J'espère que vous kiffez et que vous allez kiffer davantage. Alors oui, forcément là on prend de l'autoroute, c'est vrai que c'est pas non plus le truc le plus passionnant les autoroutes. Il faut vraiment que je pense à chaque fois à faire un peu des efforts pour les prochains épisodes. Il faudra que... Bon après c'est joli tu vois, il faut un peu profiter aussi, mais on va reprendre des petites routes pour les prochains épisodes. On va pas refaire la route de la mort, mais je vais essayer de choper des petits itinéraires. Et je vais les mettre sur Trucksbook. Même pour vous, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux. Je suis con, hein, je suis un connard, je suis désolé. Après moi j'ai aucun compte à rendre à personne encore une fois. Mais vous êtes nombreux à vouloir à ce que je fasse des trajets personnalisés sur l'entreprise Trucksbook. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de voir pour des petits trajets sympas. Après je connais pas de ouf. Mais je vais essayer de faire ça. Voilà. Au moment où la vidéo sortira, il y aura potentiellement des nouveaux trajets. Donc si vous voulez rejoindre mon entreprise, n'hésitez pas. Vous êtes très nombreux, alors ça c'est pareil. Il y en a beaucoup qui sont impatients de rejoindre l'entreprise. Parce que je suis pas tous les jours sur Trucksbook, sur le site à réactualiser. Parce que voilà, hein, bon, voilà. Je suis plus sur le site de l'URSSAF, si vous voulez mon avis. Pour ceux qui connaissent, hein. Bref, et de connard. Oh putain. Et bref, et puis bientôt faudra déclarer les impôts, hein, je vous rappelle si jamais. Oui, qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, voilà. Il y en a qui sont impatients de rejoindre l'entreprise et c'est mignon. Mais à chaque fois, vous êtes nombreux à quitter l'entreprise après. Parce que vous vous rendez compte que c'est de la merde. Bon, bah oui, en effet, il n'y a pas tout le temps des trajets personnalisés. Et voilà, je vous ai dit, c'est pas de prise de tête, mon entreprise. C'est pourquoi d'ailleurs vous pouvez rejoindre facilement et enfin rejoindre et partir facilement. Le but du jeu, voilà, c'est juste de représenter la M Company et puis voilà de rouler un petit peu pour l'entreprise. On s'en fout complet, hein, tu vois. On s'en fout complet, on est à la cool. Mais voilà, je ferai des livraisons personnalisées, ne vous inquiétez pas. On fera ça sans problème. Et c'est qu'on a de la bonne musique là, dis donc. Limoges, le ciel est beau. Hein. Il n'y en a pas réalistique Brutal Weather, hein. C'est ça le pire. Oh là là, la musique incroyable. On se croirait sur GTA presque. Oh, bah en parlant de GTA. En parlant de GTA, les amis. Que vous soyez fan ou pas de GTA, hein. Dimanche, ce dimanche, à 16h, nouvelle vidéo sur YouTube sur GTA, les gars. Faut que vous la regardiez. Vous passez une mauvaise journée, vous êtes triste, vous êtes en dépression. Vous regardez cette vidéo, vous êtes guéri. Non, non, vraiment. Que vous connaissiez rien à GTA ou que vous soyez fan de GTA, vous pouvez regarder cette vidéo qui sort dimanche. C'est du délire, c'est que du rire, c'est que du what the fuck. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Bref, c'est avec BXNO, Anaïs, Lydid et moi-même. Et on se pète des méchantes barres, voilà. Cette musique me fait vraiment penser à GTA. Que du bonheur. Oh là, vous voulez un petit coca bien frais, chacal? Par contre, on va pouvoir faire une coupure bientôt, ouais. Ouais. Une heure. Temps restant 37. 14 heures de route, ok. Je sais pas quand est-ce qu'on pourra faire la coupure. Mais on la fera. On la fera. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien des fois que j'augmente la musique. Quand j'ai moins de choses à dire. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous fait chier? Dites-moi, moi j'aime bien. Ça rajoute un petit truc. Et je me sens moins obligé de parler. Et on peut kiffer. On est là pour kiffer ensemble. Ah bah voilà, il y a une air là. Voilà. Hop, je rebaisse un peu la musique. C'est carré. Du coup, est-ce qu'on va faire le plein ou pas? On pourrait en profiter pour faire le plein, mais en vrai, je pense pas. Si, on va le faire. Sinon, ça va nous péter les bonbons. Donc, on va faire le plein et on va dormir. Ah merde, les camions, c'est là-bas. Ouh là là. Quel échec. On va se mettre là. Je sais même pas, hey, d'ailleurs je suis complètement con. Un truc RP que je devrais faire, c'est de me mettre du côté du réservoir. Il est où le réservoir? Du pas. Enfin j'y connais rien du coup en fait. Ah j'avoue j'y connais rien. C'est où qu'on voit le réservoir les gars? Je suis une merde. Il est où le réservoir? Enfin je sais qu'il est... Ah oui non il est derrière le réservoir, je suis con. Pourquoi je peux pas zoomer gros? Je sais pas où il est le réservoir. Il est là. Attendez, est-ce que c'est ça les gars le réservoir? Attendez hein, on est là pour apprendre. Est-ce que le réservoir? Ah c'est ça le réservoir, putain. C'est ça le réservoir, on est d'accord? Et ça c'est autre chose encore ça. Ça c'est un liquide de refroidissement, non? Vu le bouchon bleu. Bref, c'est ça le réservoir du coup les gars, je crois. Vous me dites si j'ai raison? Pour moi ça c'est le réservoir. Donc déjà je suis du mauvais sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fait le tour. Le tuyau est assez long. Ah quel bonheur. Putain, mais j'ai des musiques incroyables. Hein. J'espère que vous kiffez, les gars. Hop, le plein est fait. Ça repart. Ah, la voiture. Vas-y. Elle m'a fait peur. Mais c'est qu'il y a masse monde, dites-moi, là. Ok, bah c'est parti. Où c'est qu'on fait la coupure? Après? Putain mais je pourrais pas la faire la coupure. Ah si c'est bon. Oh c'est mignon, regardez ce petit air de pique-nique là. Super mignon, par contre je peux pas y aller pour de vrai. C'est une blague.
On n'a pas le droit. Eh gros, abuse pas. Hein. Genre, on n'a pas le droit. Allez. Moi, je ferais ça dans la vraie vie, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est trop mal fait. Allez. On n'a rien vu. Et hop. M-Colo manœuvre. En vrai, je gère. Hein. En vrai, vous trouvez pas? Regardez, entre deux camions, les gars. Entre deux camions, les gars. Ça passe pas. Ça passe pas. Attends, si ça passe. Ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. On va pas tenter l'accident, les gars. J'en ai pas encore fait, c'est pas trop mal. Pas de voiture. Hop. Ne vous inquiétez pas, les gars. Hein. Ici, on est chez nous. Hein. Hop. Ah, il faut qu'on fasse la coupure, sinon on va se prendre une amende. Donc, hop. Voilà. Et la voiture, elle attendra, je dors. J'en ai rien à foutre. Comment ça, accident? En fait, c'est les remorques. Ah oui, on voit plus rien, il fait nuit. En fait, c'est les remorques où les roues, elles tournent avec. C'est relou, ça. C'est relou de ouf. Donc là, ça y est, les amis, on va rouler de nuit. Alors, par contre, va falloir qu'on fasse un grand truc, je sais pas quoi. On voit rien, par contre, les gars. Je vois comme vous, les gars. Je vois comme vous, les gars. Je vois rien, voilà, c'est... Je vois rien. Et je crois que c'est passé derrière. On va prendre large. Ah ouais, on voit vraiment rien, les gars. Ouais, c'est bon. Là, je me suis pris le trottoir, mais c'est bon. Ok. Allez, on va y aller. C'est vrai, on voit rien, en fait. Hein. Vous avez raison. Mais c'est bien fait, en vrai. En vrai, c'est bien fait, du coup. C'est quand même plus ou moins réaliste, quoi. C'est quand même... On voit pas aussi bien la nuit, hein. Moi, les gars, enfin, j'adore rouler de nuit, mais dans la vraie vie, je parle. Et je pense, dans ce genre d'air de repos, ça doit être un peu la galère, au niveau des manœuvres, je parle. Après, est-ce que la remorque, en soi, est pas censée éclairer un peu mieux avec les lumières orange? Je pense que si, hein. Je pense. Hop. On va essayer de penser au plein phare. Faire ça de manière réaliste. Bon bah c'est bien, au moins ça fera une vidéo avec une partie. Oh putain, je suis désolé. Avec une partie de jour et une partie de nuit. Ouais, je suis désolé. Hey, c'est le 9 avril, on se fait plaisir les gars. Oh le petit rototo mon pote. Magnifique. Attends, on va mettre le régulateur. Oh, jamais fait ça. Cet enchaînement, le roux et le mec il éteint ses lumières à 90 en plein dans la nuit quoi. Incroyable. Limoges. Moi j'aime beaucoup les pleins phares. C'est tellement mieux. Je vois plus loin et c'est mieux, c'est plus réaliste. Ah, je crois qu'il y a une voiture en face, pas du tout. Bon, en théorie, on arrivera, il refera jour, je pense. Donc, comme ça, on pourra faire la miniature de jour parce que là, faire une miniature de nuit, c'est pas terrible. Si on regarde, on a encore 13 heures de route. Prochaine coupure dans 10 heures. Donc, j'aurai pas le choix de redormir et il est 1h14 du matin. Donc globalement il va refaire jour. On va encore rouler deux jours durant cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas. On a encore énormément de route à faire. La vidéo va être très très longue les amis. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et je vous invite vraiment à faire des pauses. Si jamais voilà. Faites des pauses, très important. Comme en camion. Da-da-da-da.
durant le reste un petit peu de du trajet, j'ai pas grand chose à dire, je pense. Donc on va un peu monter le son et on va continuer de chiller. Et vous me dites en commentaire si ça vous plaît ou pas. Voilà, ce genre de moment où j'ai rien à dire et que je mets la musique et on roule. Voilà, peut-être ça vous détend, peut-être ça vous fait chier. Vous allez me dire, vous allez me dire. Je fais n'importe quoi avec les pleins phares. Allez, mets-moi la musique. Oh là, on a de la bonne musique quand même. On a quand même de la bonne musique. Hein. Ça fait presque penser à The Weeknd. Allez, le petit péage. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, je suis toujours en train de filmer avec, en voiture avec ma dashcam. Donc j'ai quelques petits moments intéressants, mais c'est pas encore suffisant, je pense, pour en faire une vidéo. Et il n'y a pas des trucs de ouf sur ma dashcam, donc voilà. Si jamais vous vous attendiez à une vidéo dashcam bientôt, je ne pense pas pour tout de suite, mais j'en ferai, les amis. Hein, dès que je pourrai en faire vraiment une vidéo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, voilà. Du matin, tenez la droite, puis sortez à droite. On va sortir sur Clermont-Ferrand. Sortez. Allez. On va regarder après sur la carte. Prenez la troisième sortie. Où c'est qu'on en est? Hop. On voit que dalle. Hein. C'est là ? C'est là. Sortez maintenant. Direction Lyon, on va se prendre un péage. On est où là du coup ? Ouais, Clermont-Ferrand évidemment, mais... Non, en vrai, elle prend du temps cette livraison. Ça va en faire une vidéo, hein. Bon, il y aura des coupures, je pense. Hein. Je pense que je ferai un cut, mais je sais pas trop. Parce que je sais que vous aimez bien voir les trajets intégrales. En même temps, là, j'ai rien à dire, je vous assure. En plus, j'ai tout déballé mardi, en début de vidéo. Je vous ai dit beaucoup de choses, enfin, jusqu'à présent. Et je vous assure, j'ai vraiment plus grand chose à dire. Donc là, c'est que de la route. Et je sais pas si ça vous intéresse, parce que je sais que vous êtes là pour... Il y en a qui sont là pour se reposer, tu vois. Tranquillement, pour chiller un max. Donc j'ai pas envie de faire une coupure et arriver à la fin déjà. On pourrait le faire en soi. Mais je sais pas si ça intéresse ou pas. Je me pose plein de questions, les gars. C'est vrai que c'est quand même une grosse livraison, quoi. Là, évidemment, on serait en live. Je lirais votre... Je lirais le chat, quoi. Mais là, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est que ce soir, il n'y aura pas de live. Voilà, je peux vous le dire. En ce 9 avril, il n'y aura pas de live ce soir. Alors je dis, on est le 8 avril au moment où je tourne, donc ce soir même, il y aura un live, j'imagine, sur Twitch. Mais le vendredi, là, il n'y aura pas de live ce soir, évidemment. Puisque c'est mon anif. On va faire un anif confiné. Par contre, je suis désolé, hein. Ça, c'est un coup à oublier que je suis en vidéo, mais cette musique-là, en roulant de nuit, tu penses à rien. Et t'es bien. C'est ça la vie que je veux faire, les gars. Incroyable. N'oubliez pas le pause bleu. J'adore la basse. Si vous êtes sur téléphone, ça doit pas être ouf. Si vous écoutez cette vidéo sur de grosses enceintes, ça doit être énorme. Oh, j'enlève pas trop les pleins phares quand il y a des voitures en face. Parce que je suis pas trop frontal. Là, j'enlève.
sais pas si je dois sortir après. Je crois pas. Est-ce que vous aussi vous baissez la musique pour vous concentrer? C'est un peu ce qui se passe là. Bon bah les gars. Du coup il reste quoi encore? Combien de semaines confinées là? Je sais plus. Je sais plus où c'est qu'on en est. 3 semaines encore du coup hein. Vous allez voir à la fin on va être... Ah ouais je sais de ce dont je parlais aussi dans la vidéo de mardi, mais du coup je vais peut-être pas le refaire. J'ai pas envie de m'énerver. En gros dans la vidéo de mardi qui n'est jamais sortie, je parlais parce que j'ai découvert un truc incroyable, un univers incroyable. J'ai parlé des complotistes. Voilà, mais du coup c'est bien. Je vais pas en parler. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera dans une autre vidéo. Mais on va pas en parler maintenant là. Mais voilà. Si jamais ça m'a refait tilt, un sujet de discussion très intéressant parce que j'avais vraiment découvert un univers incroyable. Et c'est juste génial. Oh là, pardon. Je suis désolé, j'ai eu un problème de roue en fait. C'est pas de ma faute. Bon les amis, je vous reprends sur Munich. Du coup, il refait nuit. Voilà, il refait complètement nuit et je vous ai fait la coupure du siècle, je crois. Je crois que je vous ai fait la coupure du siècle, hein, si je dis pas de bêtises. Non, à gauche. C'était trop long. En fait, c'est trop long les gars. C'est complètement trop long. Faut pas que je fasse des vidéos avec ce genre de truc. Alors dites-moi si ça vous intéresse de voir les intégrales ou pas, les amis, si vous voulez voir tout le trajet. Mais je vous assure que je pense que je pense pas. Très sincèrement, je pense pas. À vous de me dire, dans tous les cas, je vous le promets, je vous l'assure, dans le prochain épisode et dans les prochains en général, le but du jeu, c'est pas qu'on fasse des grands trajets, d'accord? C'est pas qu'on fasse des gros trajets. Donc on fera... le but, c'est que ce soit intéressant, parce que là, c'était que de l'autoroute. Hein. Jusqu'à Munich, c'était que de l'autoroute. Donc, et c'est très joli, parce qu'on découvre. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on prendra des petites routes. Voilà, je ferai des petites routes, des petits itinéraires assez sympas, je l'espère. On va les découvrir aussi. Prendre des routes qu'on n'a jamais prises également. Voilà. On fera ça les amis pour les prochains épisodes la semaine prochaine et je vous assure je pense que ça va être très sympa, très très intéressant. Par contre le jour se relève quand même je crois, j'ai l'impression, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, allez. Oh ils sont beaux, regardez, et puis le reflet vert sur le camion. Voilà, voilà, si c'est pas magnifique ça, si c'est pas magnifique, bien sûr que c'est magnifique. Hop, et on reste sur la gauche. Tenez la gauche. Puis tourner à gauche. Alors pour la manœuvre, ça risque d'être fun. Avec cette remorque qui tombe toute seule. Hop. Vous êtes arrivé à destination. Votre guidage routier est maintenant terminé. Et bien voilà. Ah bah pour la manœuvre, mon pote. Alors là, pour la manœuvre, mon pote. Bon. Bah on va se débrouiller. Oh, un avion. Il y a des avions de chasse. Incroyable. Alors... on va faire ça. Ah, je suis trop près du grillage. Allez, on essaye comme ça. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça, sachant que je ne vois absolument rien. Allez, braque à fond. On n'y arrivera pas. On y arrivera. Je sais pas. Attendez. Oh, quel dommage. Mais le problème, c'est que je vois rien. C'est dommage, hein. C'est franchement dommage. Mais comme je vois rien, là, avec la nuit en vue intérieure, c'est c'est atroce. C'est atroce. Alors, je veux que t'ailles là-bas. Hop. Alors, si tu veux bien coopérer... Ouais, l'avantage, c'est que... cette remorque, elle tourne avec et ça, c'est bien. Alors, c'est pas bien de faire ce que je fais, vous me l'avez dit. Hein. Dans la vraie vie, tu fais ça à charge, apparemment, c'est pas bien. Ça me paraît logique, mais je vois pas trop comment faire autrement, là. Ah ouais. Fuck. Va falloir que je corrige. C'est dommage. C'était pas trop mal. En vrai, c'était pas trop mal. Allez, tourne, gros. Ça marche, ça, en vrai, les gars, non? Ça va taper derrière. Ça marche.
Ça marche. Bon, il se débrouille, hein, faut arrêter les conneries. Je suis devant la porte, hein. Je suis devant la porte, faut peut-être pas non plus déconner. Bon bah voilà les amis. Waouh, c'était... Franchement, je vous assure, c'était long. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!